pense. Et on est bon. Allez. Allez. On est parti. Je suis bien solaire. Magnifique donjon celui-là. Oh, je pensais que la cité des rêves, cité des rêves, elle est belle. Et puis à savoir aussi que l'entrée du donjon, on peut le lancer directement, ou alors on a une entrée directement quand on se balade à la cité des rêves. C'est le seul donjon où il y a deux façons d'y rentrer. Et à la fin du donjon, pour le coup, on sera tout là-haut. La première étape, elle est plus chiante qu'autre chose, hein, parce qu'elle n'est pas compliquée. C'est une sorte de mini-labyrinthe. En fait, il y a 6 ou 7 salles, je sais même plus, ça fait très longtemps. Et bah, faut juste tomber sur la bonne, quoi. Et quand on ne les connaît pas par cœur, bah, en fait, là où il y a les mobs, c'est là où il y a la bonne salle. Donc il y a juste à tourner, puis on trouve toujours la bonne salle. Donc là, t'as le logo. Donc c'est le serpent qui fait l'infini. Donc là, ici, on aura l'oiseau qui pique. Je sais qu'à droite, c'est le poisson. Fait tellement longtemps. Oh bah voilà. Et puis là en face. Donc on fait attention, il y a toujours des snipers qui spawnent sur les hauteurs. Donc si jamais un jour vous voulez tenter le solo flawless, les snipers peuvent être assez chiants. Donc là, le poisson qui tombe. De mémoire, c'était le premier à droite, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est... Ah, je confonds peut-être, ça doit être le double poisson à droite. Bon, de toute façon, puisqu'on est là, on va faire le premier coffre caché. Donc quand on spawn pour le coup, hein, la première salle, on part à gauche, et avant d'arriver à la deuxième, on descend. Et une fois ici, vous avez le premier coffre caché. Donc moi, ce que je fais parce que c'est vrai que c'était Madame qui le connaît par cœur, moi je monte sur les hauteurs. Donc moi pour prendre les hauteurs, je prends toujours ce petit arbre là, il est pratique. Hop. Alors, voyons voir. Alors,
c'est pas en dessous. C'est pas en face. Ah ouais, c'était bien la première à droite. Non, il n'y a pas les phalanges. Boum, ça le tue quand même. Donc là, on a l'oiseau qui regarde à gauche. Non, c'est pas au fond. Alors, ouais, par là, il y a du monde. Après, c'est peut-être le sniper qu'on a laissé. Le sniper. Je vais vous le trouver. Avec là, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait ce donjon. Pouf. Quelqu'un en est à l'étape 2 sur le tueur de souhait? Ok, oui, donc ça spawn après. Donc c'est au fond. C'est la porte la plus éloignée là. Ça c'est pour la quête, la tueur de souhait, la partie 2. Hop. Donc du coup je pense que ça doit être la mienne, étant donné que vous l'aviez jamais fait. Ah, pourquoi il y en a un deuxième là? Par là, Xbox. Le chemin, il est là. Donc lui, pour moi, c'est le boss le plus relou à tuer, parce que c'est le sniper qui t'envoie toutes ses boules. Oui, pourquoi pas. Le serpent qui se regarde. Alors ça va être là à droite. Bonjour. Deux. Alors attends, j'ai toujours du mal à sortir d'ici. Si je me trompe pas, c'est celui au bout, hein, et qui sera à droite aussi. Cette partie-là, c'est la plus longue, la plus chiante pour rien. Très clairement.
Il y a juste à fouiller les 5-6 portes là, puis à tuer tout le monde. Faites attention à que lui paille vous dégage hors map. Non. Donc là de toute façon ça va être le dragon. Ouais bingo. Bah, le dragon en fait c'est là où on vient. Première étape ou l'ouverture du donjon en fonction des personnes. Vas-y, j'ai loupé. Rien à foutre, je te fais au coup de poing. C'est pareil, ça va être toute une zone là de clean pour le coup. C'est un peu plus pratique. Donc là, vous continuez les gars, vous marchez, vous faites juste gaffe, arrivez tout au bout, vous avez une phalange à droite et vous partez à gauche. Eh, tu vas me casser les couilles toi. Eh, cadeau. Il a pu mettre sa bulle alors qu'il est mort. Pas vu l'autre minot. Ah. Ouais, il y a un snipe. Putain. Bon bah on va en marteau. Ah, donc pour le second coffre caché, donc là par contre il vous faudra obligatoirement, je les ai là, les petites teintures. En gros, on monte. Le but est de monter tout là-haut. Attends, c'était comment déjà? Putain, ça fait longtemps. Je sais même plus trop, mais en gros, on montait là. En haut pour. En fait, le but est d'arriver tout en haut. Putain, je suis tombé comme un con. Mais c'est vrai que là, je vois pas les plateformes hein, pour le coup, comme je l'ai pas mise. Mais en partant d'ici, au final, il y a des plateformes pour aller à gauche, à droite, à gauche, à droite. On monte tout en haut. Plein de plateformes pour aller jusqu'à l'autre bout et avec la teinture la porte s'ouvre et vous avez le second coffre caché.
chez toi. Ah, c'est chier, j'ai loupé. Tu traverses tout, il y a la porte qui s'ouvre et vous avez le coffre. Elle est quoi? Normalement, vous avez un coffre aussi. Parce qu'après les eaux d'Amkara, ça vous en avez un peu partout dans la cité des rêves, dans le donjon, dans le raid, qui vous permettent d'avoir un triomphe. Ok. Donc là, on va passer pour ma part, je pense, à la réelle deuxième petite étape. Il va y avoir plein de petits ogres. Vous allez voir, ils sont mignons. Donc, petit conseil, n'avancez pas plus loin. Hop, oh, parfait, ils ont posé. Donc là, à chaque fois, donc au début, vous en avez deux, puis après, vous en aurez un par un. Comme c'est des ogres corrompus, bah, les tirs ne vous font pas que simplement mal, ils vous dégagent. Donc si vous êtes au milieu, c'est très dur de tenir. Donc là, je vais vous laisser les gérer, parce que je vais prendre la boule. Ça, je fais ma quête au passage. Hop. Donc là, il y a l'ogre, et après, du coup, on va pouvoir avancer au fur et à mesure. La deuxième boule, elle est là. Ouais, Alex. C'est bon, vous pouvez venir, les gars. Les gars, faut avancer. Donc là, pour le coup, c'est le jeu à chaque fois qui va nous indiquer où est-ce qu'on va. Comme là, bon, là pour l'instant, on longe la gauche. Parce qu'à chaque fois, il y a une boule corrompue qui nous bloque et un ogre qui spawn de l'autre côté. Donc, ok, alors, je peux la lâcher. Hop. Ouais, ça c'est pour moi. Donc là, bah, je vous laisse continuer à avancer tout droit. Hop. Ce que vous faites, hop, moi ce que je fais, c'est que j'avance un petit peu, je fais spawn la boule. Voilà, hop. Et je recule sur la plateforme safe.
Je vous laisse avancer jusqu'au bout. Moi, je vais aller poser la petite relique. Si, il est là. Boum. La deuxième boule. Là, c'est le coup. Les ogres, c'est fini. On va les passer au coffre caché. Ouais. T'inquiète, après le donjon, on part en une heure. Pour pile Luciole. Qu'est-ce que là, je trouve qu'il faut rien. Hop, on va repasser le relais. Ouais. Ouais. Bah, comme je vous ai dit hier, c'est pour le coup, c'est son mec. Ouais, ouais, non, non, du coup, c'est mort. Et là, normalement, donc c'est simple. Ici, quand vous allez avancer, vous pourrez plus courir, hein. Vous pourrez juste tirer, sauter bêtement. C'est gauche, droite, tout le temps. Donc là, ça commence, la porte est à gauche. Moi, ce que je vais partir à droite, je crois que la dernière boule qui me manque, elle est ici. Comme ça, j'en profite pour faire ma quête. Ouais, voilà, c'est ça, elle est bien ici. Donc là, vous longez la gauche, vous allez prendre les escaliers. De toute façon, je serai pas très loin derrière. Avancez, avancez, hein. Les mobs, vous vous en foutez, ils sont infinis. Hein. Regardez, hop, bah, du coup, je suis devant vous. Hop, on descend les marches, donc du coup on part à droite. Oh, c'est vrai que la droite c'est le chemin, donc au final on longe toujours la gauche, quoi. Ouais, à gauche. À gauche, à gauche. Et encore à gauche. J'espère que c'était bien jusqu'au bout qu'il faut l'emmener. La troisième boule, je l'ai jamais faite. Et là, on descend. Ouh. Ah, yes. Parfait, ça. Et voilà, la porte du coup est ouverte. Donc c'est bien. Moi, c'est ma petite quête. Alors. Tant qu'à faire, autant que je vous montre la quête. Voilà, c'est les jetons. À partir du moment où vous avez les jetons, en fait, vous faites les trois boules. Toc. Ce qui vous permet d'accéder à cette porte-là. On est parti. Le but est de déglinguer tout le monde le plus rapidement possible. Ça n'a rien à voir avec le donjon, ça c'est la quête. C'est la quête. La quête d'ici. Non, en train de briser. Ouais, pour le coup j'en ai profité. J'ai vu qu'il y avait les boules donc je les ai faites et puis bah du coup c'est pour moi. Donc bon.
Là, il y a un gros boss qui va spawn. Yeeha, j'arrive. C'est pas lui le gros boss. Ah si? Il m'en manque un. Ouais, il me manque un boss. Putain, je l'ai pas vu spawn. Et il me manque le deuxième que j'ai pas vu spawn. Putain! Je sais pas où est-ce qu'il est. Bon, pour le coup, j'aurais que le deuxième boss à faire, mais il faudra que je trouve où est-ce qu'il spawn. Alors, vous avez le coin un peu plus safe et le coin rush. Donc, le coin safe, le seul truc en gros, c'est que le sol c'est de la lave. Enfin, il y a 2-3 phalanges et puis basta. Et le coin rush, bah c'est. On va tout droit. C'est parti! On fait juste attention aux propulseurs muraux pour pas être dégagé. Comme celui-là, il va me dégager. Ouh, je suis chaud. C'est beaucoup plus court de passer par là. Parfait. J'aurais dû changer avant. Donc là, on va passer au deuxième boss. Non, deuxième boss. Non, c'est le premier boss. C'est le premier vrai boss. Donc ici, la strat est relativement simple. Ce sera la même chose au boss de fin. Donc on va avoir l'ogre, donc le gros boss à tuer qui sera en plein milieu. Et on aura une prêtresse, donc juste à nos pieds, une à droite, une au fond et une à gauche. Le but c'est, on bute la prêtresse avec les mobs qui vont avec. Elle va nous lâcher une boule. Cette boule là en fait, ça va nous augmenter notre DPS. On fait la première prêtresse, on fonce à la deuxième, à la troisième et à la quatrième. Sauf que faut être, si on fait tout d'un coup, faut être rapide. Pour la simple et bonne raison, c'est que les boules en fait ont un timer. Donc faut pas qu'on perde de temps, parce que sinon on aura moins de temps sur le DPS. Ou alors, la strat, moi ce que je faisais quand j'étais tout seul, c'est que je clean tout. Et après je fais uniquement les prêtresses pour pas être emmerdé, mais bon là on est 3 donc ça va passer sans problème. Et oh, pour le coup autour du boss, on a 4 pylônes en gros. Et en fonction de là où on est, on claque les boules qu'on a ramassées sur l'un des pylônes et c'est le DPS. Si on est assez bon, en un tour ça se fait. Comme arme, en exo ou en légendaire? En exo, tu peux prendre un slipper, ça, à 1000 voix, et en normal. Bon bah on descend, hein, Lynx. Et en normal, tu prends un linéaire, ça fait le taf. Allez hop. Allez, on part à droite. Xbox, viens avec nous, viens avec nous. Hop, allez, c'est parti. Hop là. Allez, on avance déjà. Passe à la prêtresse du fond. Hop là. Et encore plus là, avec les doctrines qui ont changé, elles sont tellement pétées. Bah oui. J'y crois pas. Faut qu'on recommence.
C'est magique. Je kiffe ma grenade de merde. Allez, hop. On repart du coup là où on était de base. Hop. Putain, je me suicide avec ma grue, quoi. Casse les couilles. Allez. Bon, on va pas avoir respawn, pas encore. Bon, allez. On va faire un tour de DPS, du coup. Ce sera pas terrible, mais bon. Attends, si je peux lancer. Hop. Ah non, il faut les 4. On peut même pas lancer. C'est mieux. Oh, je suis vert. Putain. La seule mort qu'il faut éviter, je la fais. Ah putain, il y a une prêtresse là. Pourquoi vous êtes morts tous les deux? C'est quoi qui vous a tué? Bon, par contre, je vais crever si je la tue pas vite fait. Hop, voilà. Ah, c'est que vous aviez ramassé des boules. C'est pour ça. Le truc de ce donjon, c'est qu'en fait, on n'a pas de droit à, entre guillemets, à deuxième chance. C'est que si on le soir, comme là, on n'a pas eu les boules assez vite, hop, bah du coup, vous êtes mort parce que vous êtes arrivé à la fin du décompte. Allez hop, DPS du boss. Ah oui, j'ai pas mon super du coup. Ah ouais, balance tout. J'ai paniqué. Faut pas paniquer. Ouais. Hop. Bon bah tant pis. Ça a été du grand n'importe quoi, mais vous avez vu comment ça doit se dérouler. Donc là pour le coup je sais. Putain, je me souviens même plus comment on l'obtient de base la quête. Ah, là je suis dégoûté, j'en ai 2 sur 3. Hop, parler à la petite statue. Pour avoir la quête du tueur de souhait. Et là, du coup, ça va être du parcours jusqu'au boss de fin. Donc, en soi, voilà, c'est la première étape ou l'ouverture du donjon qui est juste longue et chiante. Parce qu'on passe notre temps à chercher. L'ogre, vous voyez bien que même ça a été le chaos total, en un try, il est fait. Là, c'est du parcours et puis le boss de fin, c'est comme l'ogre. Donc, c'est relativement tranquille. Non! Putain, mais qu'est-ce que j'ai avec mon marteau là? Hop là. Oui. Cela là, là. Dans quoi? Dans un quart d'heure, le donjon il est fini. Putain, ton ventilo, Sparte. Allez hop, on passe sur le côté les gars, vous vous emmerdez pas. Toc. Hi-ha ! Ton ventilo Sparte encore.
Toc ici. Hop là. Oui, tu peux être au moins gentil une fois par an. Sérieux, encore en bas, ils t'ont remis. Ouais, ça, tu tombes pas dedans. Putain, il est où ce truc-là? Ouais, il l'a dit. Bah ça, bah on en vient d'en bas là. C'est là d'où on vient. Hip, boum. Alors non, c'est pas encore ici. Il y aura un dernier coffre caché. Ah, quoi que c'est pas ici. Si. C'est la celle d'après. Attends, ça y ressemble. Ça fait trop longtemps, ça fait trop longtemps, donc ça va être à l'étape d'après. Je suis un fou! Boum! Bon, il est pas drôle. Couché. Donc là, c'est pareil. Moi, ce que je fais, dès que le premier pète, hop, je cours. Et en temps normal, à chaque fois, ça passe. Rarement dans l'autre sens. Hop là. Allez.
une marche arrière et on repart. Alors, du coup, on prend pas l'ascenseur. Et le dernier coffre caché. Là, ils auraient pu faire tellement d'étapes. On monte tellement haut. Donc ici, il y a le même procédé que les prêtresses, sauf qu'au lieu que ce soit 4 prêtresses et 3 chuchus. À chaque fois qu'on va lancer une phase, à gauche et à droite, vous avez vu, il y a une porte, il y aura des petits spions qui vont spawn, donc c'est à tuer en priorité parce que sinon ils sont un peu casse-couilles. Les chuchus, l'idéal c'est on les baisse jusqu'à qu'ils pètent leur tête. Une fois que les 3 ont plus de tête, là on tue les 3 et on fait le DPS du boss. Derrière le boss, en haut, il y aura un très gros cristal. Si jamais il spawn, les chuchus sont immunisés. La prêtresse, je crois qu'elle l'est aussi, je suis pas sûr. Mais il faut le buter absolument en priorité. S'il reste, de toute façon, vous allez voir, au bout d'un moment, l'écran va devenir rouge, 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 et puis on meurt. Voilà. Allez, je vous laisse vous occuper de la gauche. Toc. Un coup, je les ai tous eus. Je me suis pas foiré du tout, vous avez rien vu. Ah ouais, c'est normal. C'est leur manière de faire ici. Pour ça que l'idéal c'est de les DPS avant de les tuer, parce que il suffit qu'il reste un qui est full vie et puis. Merde, oh putain. Et puis qu'il fasse que de se TP et qu'on puisse pas l'avoir. Il est où le troisième là? Allez, prenez pas la boule. Toc. Allez, allez, on les tue. Toc. Oh, l'autre il vient tout juste de disparaître, cet enfoiré. Voilà. Allez, on met tout sur le chuchu. Hop. Allez, et DPS du boss là, c'est parti. Ah, le cristal. Ah, parfait. Pff, parfait, parfait. Pas eu le temps, même pas eu le temps. Il est vraiment devenu bidon ce donjon. Et voilà. Allez, bah comme toujours, hein, si vous aussi vous avez besoin d'un petit coup de main, n'hésitez pas, hein, tous les liens seront en description. Sur ce, bonne game à tous.